Voilà. Je reste ma chose comme ça. Là, je peux bien parler parce que fois, c'est à dire commencer à qui. Même pas apprécié. J'ai d'abord arrêté parce que ce que j'ai mis aux yeux là n'était pas bien avec moi. Et c'est pour cela que j'ai arrêté. Donc, faut que j'ai relancé. Connectez-vous. Connectez-vous, mes frères, mes soeurs. Parce que parfois, ça énerve vraiment. Ça m'énerve. Et les gens sont là et regardent. On ne doit pas soutenir Pifo. Tout le monde doit crier sur lui. Il n'a pas le droit de faire ça. Pourquoi il fait ça? Hein? Il doit laisser Prince Aimé tranquille. Pifo, laisse Prince Aimé tranquille parce que tout le monde connaît que c'est sa chanson. Si lui l'a eu à voler et que ça a donné, ça change quoi? La personne là, c'est lui qui a créé les mots. Hein? Une chanson, 10 personnes peuvent chanter. Moi-même, comme ça, je peux me lever, je chante ça. Mais c'est parce que c'est Prince Aimé qui a développé, c'est lui qui a amené ça au grand public. Donc, quand on dit souvent qu'il faut être intelligent, si lui, il a été intelligent et sage et que la chanson a donné, si la chanson-là ne donnait pas, le père-là devait venir, devait venir réclamer que oh, c'est lui qui a chanté. C'est parce que la chanson a donné. Parce que la chanson a donné. Le père là n'a pas. Il réclame parce qu'il voit que la chanson a donné. Si la chanson ne donnait pas, il n'allait pas être. Et ce n'est pas aujourd'hui, ça fait des années. C'est maintenant qu'on vient réclamer. Puis il faut laisser Prince Aimé, tranquille, c'est sa chanson et tout le monde a déjà connaît et connaît déjà que c'est pour lui. Les droits d'auteur mangent depuis. Ce n'est pas aujourd'hui. S'il a donné l'argent à son frère et que il a refusé, c'est son problème. Toi, tu refuses l'argent que tu fabriques, mon frère. On t'envoie l'argent, il a même été honnête que non, ça c'est mon frère, il t'a envoyé l'argent, tu as refusé. Tu as refusé, tu viens pleurer quoi? Tu n'as rien. Tu n'as rien et tu n'auras rien. Laisse Prince Aimé. Prince Aimé mange son argent, c'est sa chanson, c'est tout. C'est tout. Vous allez fabriquer quoi? Vous allez venir pour humilier Prince Aimé, pour le saboter, jamais. La chanson là fait que Prince Aimé parte en Europe, il gagne des spectacles. Donc ce n'est pas maintenant que vous allez venir faire. Même si c'est lui qui chante, ça ne peut pas donner le ton que Prince Aimé a donné. Parce que la chanson là. Ça a le goût quand tu chantes, quand tu entends même Prince Aimé chanter ça. Regarde alors la reprise de Bordeaux, alors c'est la totale, c'est la magie. Et vous arrivez avec la sorcellerie pour venir gâter ça. Vous ne pouvez pas, parce que quand ça prend déjà, quand les enfants la prennent déjà sur TikTok là, il n'y a plus de demi-mesure. Tu vas faire comment? Tu vas crier chez qui? Qui va même t'écouter? Hein? Qui va t'écouter? Puis il faut rester seulement avec ton frère, faites vos clashs, laissez les deux handicapés tranquilles.
S'ils veulent donc faire les clashs, qu'entre eux, tu ne peux pas venir mettre le feu entre les frères maintenant. Parce que tu veux le buzz. Parce que tu veux faire mal à ton frère. Hein? Mais ce sont les deux aveugles-là qui vont subir. Tu vas venir faire qu'on insulte le type de truie pour rien. Ou bien on lui manque de respect. Une minute, je réponds. Allô? Je suis en direct. Je n'ai pas faim. J'ai bu l'eau. J'ai fini, alors je t'appelle. Je vais manger. Et quand je veux manger, je vais t'appeler. D'accord. Tout à l'heure. Une minute ou donc c'est ça, ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Comme Facebook c'est notre tribunal où quelqu'un chie, il amène ça, dès que ça se fait, c'est ainsi qu'on va sauf que parler de ça. Puis faut règle tes problèmes avec ton frère, ou vous êtes des, vous faites le cinéma, ou c'est quoi là. Et Prince Aimé, c'est un artiste. C'est Longuet qui a réveillé encore Prince Aimé là où il était déjà couché. Il lui a réveillé que tu fais quoi ici? Comme tu es venu, mon frère, tu es venu me trouver. Longuet l'a réveillé et il s'est réveillé. Maintenant que comme Longuet a voyagé, vous faites déjà le duel. Mais je ne sais pas, est-ce que Longuet voit même ça? Longuet, tu dois rentrer parce que tu as un travail. Tu as ton frère que tu as réveillé, que tu as commencé à soutenir. Maintenant, comme le travail que tu as fait, que Longuet a fait, maintenant les gens veulent déjà profiter sur ça. Quitter derrière ça. Longuet, il faut stopper ça. Parce que c'est toi qui a encore mis la carrière, l'artiste et Prince Aimé en haut. Tu as encore réveillé son talent. Mais maintenant, les bandits, ils viennent déjà s'asseoir pour venir manger. Il a déjà les managers, il a déjà ceci pour venir détruire le type de truie. Mais c'est quelle histoire ça? Qui a payé le billet d'avion à Prince Aimé que rentre au Cameroun comme c'est dû et que comme tu veux rentrer? Nous, on a vu ici comme Longuet a donné l'argent, a fait ceci, a soutenu et tout, Longuet était là. Hein? Longuet lui donnait les spectacles. Donc, pour Viviane, là, c'est que là où vous courez déjà, maintenant, parce que, et c'est comme ça que vous agressez des Bordeaux, vous faites les problèmes, c'est même. Mais parfois, il faut arrêter. Puis, tu n'as pas le droit. Même l'autre, vous n'avez pas le droit. Vous, si vous voulez aider Prince Aimé, donnez-lui les spectacles et tout, accompagnez-le. Si l'autre veut l'accompagner, pourquoi? Parce que tu sors maintenant, parce que c'est l'autre qui accompagne Prince Aimé. Et ça te fait mal. Ça te fait mal comment? Faites vos problèmes, mais laissez Prince Aimé. Jusqu'à que tu partes à chercher l'autre aveugle pour venir dire que c'est lui qui a créé. Et puis il a créé, il a sorti ça où? Il a fait quoi? On ne le connaît pas comme chanteur. Il a d'abord chanté quoi, on a vu. Laissez Prince Aimé tranquille.
Viviane, c'est toi qui m'as fait comme ça, Viviano. Viviane, c'est toi qui m'as vidé les pochos. Oh, à Viviano. Oh, à Viviano. Et à Viviano. Et à Viviano. Michael, c'est toi qui m'as sucé les seins. Oh. Et à bébé Wama. Et qui est à bébé oh. Michael, pourquoi tu me fais comme ça? Michael, oh, Michael, c'est toi qui m'as sucé les seins, oh, même la bouchée. Moi-même, je veux reprendre ça. Vous croyez que c'est pour qui? Nous, on va reprendre Viviane là. Dibenini Biandina. Mais il y a même quoi? Donc, il va donc porter plainte à tout le monde. Nous, nous sommes avec Prince Aimé. Mon gars, pourquoi tu m'as laissé tomber, oh? Oh, ah chérie, wama, eh, qui est ah chérie, eh? Mon gars, c'est toi qui m'as fait comme ça, chérie, c'est toi. Mon gars, c'est toi qui m'as grossi comme ça, oh, wana. Ah, eh, avec la touma, oh, tu m'as donné la grossesse, oh, tu m'as grossi, oh. Eh, ah chérie, eh? Tu m'as grossi en plus, tu m'abandonnes, bébé, oh. Chérie, pourquoi tu es bandit comme ça, oh, Anna? Ya, chérie, wama, menizom gabo me dit, eh. Nous tous, on va reprendre ça. Oui, parce que la chanson de Prince Aimé nous a donné beaucoup, beaucoup de leçons. C'est une chanson que on doit vraiment, ça doit être l'hymne national. Ça doit être l'hymne. Parce que, avec les abus là, les choses et les femmes et les hommes, ce qu'on subit là, ben vraiment, oh là là, on doit sauf que parler. Il y a Benoui, hein? Michael, c'est toi qui m'as fait comme ça. Michael, oh, Michael, c'est toi qui m'as sucé les seins. Quand je parle, je dis que quand je parle, je prononce seulement le nom là. Et qui est. Mon cœur fait tip, tip, tip. Et vous croyez que je ne veux pas chanter ça. Je veux sauf que chanter. Je veux sauf que chanter. Je veux reprendre ça. Mais c'est quelle histoire ça? Bébé, c'est toi qui m'as fait souffrir. Bébé, oh, c'est toi. Bébé, c'est toi qui m'as sucé les seins, oh. Sucé la bouche, oh. Chope même l'entorto, oh. Et à bébé, oh. Et à chérie, eh. Vous savez que c'est quand il prend ça, c'est grave. Prends ses mains, nous on va faire le featuring. Tu vas chanter Viviane, moi je vais chanter Mike. On va faire comment? Tout le monde a ses pleurs, tout le monde a sa part là-bas. Michael, c'est toi qui m'as fait comme ça, bébé oh. Michael, c'est toi qui me fais souffrir. Oh, à bébé, wama. Eh, à chérie. Eh, à bébé, oh. Eh, qui est à Michael, oh. Michael, c'est toi qui m'as sucé la bouche, oh. Sucé les seins, oh. Monté dans le ventre. Chope même l'entoite. Eh, à Michael, oh. Eh, à bébé, wama. Eh, qui est la batterie. On me tape ça. Nous tous, on va danser ça ici. Au lieu de valoriser la chanson, vous venez là, vous venez amener les clashs, les faux clashs qui n'ont même pas de sens. Laissez Prince Aimé. C'est l'artiste de l'heure. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voulez détruire tout le monde. Même les handicapés, vous voulez détruire. Vous là, vous êtes même comment? Puis faut la sorcellerie, même là, t'as fait comment? Je suis terrible comment?
Ma soeur, moi-même, je veux sauf que chanter ça. Hey! Michael, le bébé, c'est toi qui m'as donné le carré. Oh, ah, chérie, wama. Oh, okay, ah, bébé, oh. Michael, c'est toi qui m'as sucé les seins, oh. Tu suces même la bouchée. Oh, Berman, m'a boumé. Oh, man, me tchabantori. Eh, ah, bébé, wama. Chérie, wama. Eh, ki, ah, bébé, oh, oui. Ah, bébé, wama. Yeah, ki, bébé. Oh, bébé, wama. Ouais, je veux chanter ça. Oui. Je veux chanter ça. Nous tous, on va chanter la chanson là. Viviane nous a. Mais Prince Aimé nous a donné une chanson pour pleurer là-bas, pour se sentir. Hein? Merci. Merci, ma soeur chérie, ma soeur adorée. Hey! Les deux dimensions, la sauvageur, l'amour de ça, c'est de ça qu'il s'agit. Hey. Chérie, c'est toi qui as voulu que je te pipe. Yeah, pepe wama. Ngamga pipe wama. Wanyanga te chérie, hey, merci ma soeur pour les cœurs. Merci. Chérie, on m'a toujours été plus besoin. Et on m'a toujours ne voit pas mon toit. Nous allons gâter le nom. Un homme va courir ma boumou. Ma yama boye. Et à chérie, wame. Chérie, wawa bon mo bombi nangitame. A bébé wama mouze. A bébé oh. Et on m'a toujours été. Acha wacha mentora, onyang mete anwe, onyang te mebe o meni yang wabera bume, onga sigasiye, meni yang wa sigasiye, meni ga chabe te mentore, e a bebe wama, e ke a sherie, c'est comme ça. Aïe, aïe, aïe. Abokte, bakana, imanu nwana ne pifo. Man, tu toiletais. Ok, il nous a mis des bains. Tu ris même quoi, ma chérie? Tu ris quoi? Chérie, c'est toi qui es tendue comme ça. Chérie, chérie, pourquoi tu es tendue comme ça? Oh, je veux faire l'amour, je veux les câlins. Je veux les bisouer, je veux les après tu me chopes la tête, et à bébé oh. Les bandeurs, vous allez bien bander parce que vous avez suivi la voix d'Amazon dans la so parce que vous aimez trop ça. Yish, yish. Les gens sont dans les fenêtres là, ils guettent un tibi et boya, c'est de ça qu'il s'agit. J'ai dit qu'ils veulent chanter ça, ils ont déjà bien chanté, non? Je veux amener ma version, ma touche là-dedans. Et vous allez danser, sauf que danser et ne blague pas avec vous. Oui. Donc, Pifo, ne fais pas que je me fâche. Laisse le clash que tu fais là. Ça n'existe pas, ça ne doit même pas exister. Tu es jeune. Au lieu de te concentrer, comme tu étais manager, comme tu étais bien. Regarde comment tu bouffes le njangui partout. Les gens te... Pourquoi les enfants de maintenant, vous n'avez même plus honte? Vous n'avez même plus peur de vos images, que c'est sali. Vous allez vieillir avant le temps. Vous allez vieillir. Voilà que tu as déjà tous les noms d'oiseaux. Parfois, il faut quitter dans ça. Bonsoir au pinker de mon cœur, mon fils à moi. Le fils de ma soeur, c'est mon fils. La fille de ma soeur, c'est ma fille. Ma fille à moi, moi seule. Au
au lieu de montrer à la jeunesse les bonnes choses, toi, tu viens, tu veux seulement détruire les images des gens. Parce que toi, tu as le clash avec ton frère. Au lieu de faire les clashs avec ton frère, maintenant, tu veux dire aussi détruire le mangement de Prince Aimé. Ce n'est pas bon. Prince Aimé se bat. Il ne vient pas mendier. Comme les autres, il y a les handicapés qui sont là pour mendier. Mais lui, au moins, il s'est battu, il s'en sort, il est devenu bien même. Quand je vois même Prince Aimé maintenant même, comme il est au pays, il est bien, il a même perdu du poids, il est propre. Par contre, quand il était ici, ce n'était pas la même chose. Le stress n'est pas bien. Maintenant, il est déjà bien dans la tête, tranquille. Mais vous amenez encore, vous le trimballez partout, vous le filmez partout. Mais laissez-le se reposer. Il a fait le featuring avec Desbordeaux. Laissez qu'on l'accompagne avec ça. Hein? Qu'il reste bien s'il a déjà bien causé avec Desbordeaux. C'est quelqu'un aussi qui a un cœur, qui est familier, qui reconnaît. Hein? Il n'oublie pas que c'est Prince Aimé qui a chanté. Ils vont s'entendre. Mais vous avez amené les clashs là, vous allez amener tout, tout, tout pour venir embrouiller la chose. Pourquoi la sorcellerie là, vous sortez souvent à quelle heure même? Donc, il faut laisser Prince Aimé dans son mouvement. Que Dieu a eu pitié de lui, que Desbordeaux revient encore reprendre. Il n'y a personne ici au Cameroun qui a repris ça que pour refaire la chanson et tout et tout. Laisse Prince Aimé avec Desbordeaux gérer. Donc, je te dis, l'artiste qu'on t'a amené là, toi aussi tu te lèves, tu viens parler dans les trucs, tu perds ton temps. Au contraire, c'est toi qui vas perdre. Au lieu de t'associer avec ton collègue, toi tu viens pour dire que parce qu'on te dit qu'il faut venir faire. Tu vas venir faire à quelle heure? Prince Madi a mangé l'argent dans la chanson, l'a fatigué. La chanson l'a amené en Europe, l'a amené partout. Même si tu viens chanter ça maintenant, ça ne va rien donner. On ne va même pas t'accepter, on ne va même pas t'écouter. À part, tu as une autre version que tu peux sortir qui n'est pas la même chose que ce que Prince Aimé a chanté. Vous venez déjà vous battre. On vient déjà, on vous trimballe déjà partout. Dans les réseaux, vous venez parler. L'autre dit, contredit là-bas. L'autre dit que je ne connais pas. L'autre dit que c'était un ami, mais on n'a pas. Donc, on ne comprend plus rien. Il y a aussi l'âge. Regardez vos âges. Hein? On vous trimballe, vous êtes déjà des vieux. Vous êtes déjà des personnes responsable. On ne peut pas venir vous trimballer comme ça et que vous acceptez. Ça fait depuis que j'ai appris que tu ne fais que dire que non, on a volé ta chanson. Ça n'a rien changé. Qui a écouté? Moi, je ne peux même pas venir dire ici qu'on a volé ma chanson. En aucun des jours. Parce que dès que quelqu'un sort derrière la chanson, tu sors même la chanson, ça ne marche pas. Les gens, quelques gens écoutent. Mais si l'autre prend ça, il sort à sa version et que ça marche, dès que tu vas seulement soulever ta petite bouche que, oh, voilà ma chanson, on va te laver comme si c'est. Donc pour éviter les polémiques, pour donner, c'est normal, même si quelqu'un prend même ta chanson, ça veut dire que tu as le don. Hein? Si quelqu'un vient voler mes œuvres, ça ne me dérange pas. Moi, ça ne me dérange pas. Au contraire. Au contraire, c'est normal. On ne va pas, on est même d'abord combien les artistes. On va encore se battre que tel a volé ma chanson, tel a fait ceci. Non. On ne doit plus arriver à ce niveau. Si quelqu'un prend ma chanson, il chante à sa manière. Moi, si je viens, je rechante ma chanson comme j'ai chanté. Si j'ai les choses à modifier, je modifie.
Les gens qui veulent écouter pour l'autre, ils écoutent. Les gens qui veulent écouter pour moi, ils écoutent. C'est normal. Et que l'ambiance continue, c'est tout. Pourquoi se battre que oh, on a volé ma chanson, on a volé ma chanson, on a volé ma chanson? Oh là là. Les reprises sont bien. Hein? Mais quand tu as déjà sorti la chanson, dès que tu chantes, tu peux déjà la garder. Si les gens chantent, ou bien tu chantes d'abord, les gens savent que oui, c'est elle. Mais si l'autre reprend, tu ne veux pas aller te battre avec ton collègue par rapport à ça. Par rapport à ça. Mais que la personne sache que bon, c'est la personne ici qui a d'abord sorti ça. Qui lui dit, il reconnaît que non, c'est la personne-là qui a sorti ça. Et moi, je fais seulement la reprise. Ou bien que non. Toi, tu chantes dans ta tête, dans ta chambre, toi seul. Les gens n'écoutent pas. Tu vas dire quoi? Oui, quand ça nous arrange, c'est comme ça. Tu veux que ça arrange les qui? Quand ça nous arrange. C'est quand vraiment ça nous arrange. Tu fuis comment? Hein, Florence, quand ça vous arrange, ça nous arrange, c'est vraiment quand ça nous arrange. C'est comme ça. Et je repars aussi. Maintenant, Pifo, j'espère que tu as écouté. Je reviens sur l'autre côté. Pour le problème, depuis là, ça ne fait que crier, crier, crier. Oh, appuie des foulanes. Oh, appuie des foulanes. Et demandez. Vous allez faire que les gens ne doivent même plus aider quelqu'un. Vous allez faire que les gens ne vont même plus accepter de faire le featuring avec quelqu'un. Parce que les bouches qui sortent sur Facebook, si. Les gens, avec vos bouches de Facebook là, vous tuez vraiment les gens. Et vous n'aidez même pas les gens. Parce que, avec les bouches, tout ce que vous parlez là, quand vous trouvez un problème, au lieu d'abord de bien examiner, de bien réfléchir, de bien regarder, vous donnez, je dis que dès que quelqu'un a la connexion de 100 francs, il multiplie, il va parler comme si il dort avec un pied. Comme si c'est lui qui a amené ces gens, ou bien je ne sais pas. On a déjà tout parlé, on a déjà tout dit, on a déjà tout parlé. Dit même qu'il est fou, mais machin, machin, machin. Hey, parfois vous faites peur, hein? Mais ce n'est pas que. Vous faites peur. Ce n'est pas parce que vous aimez quelqu'un, vous allez partir raconter les choses qui ne sont pas vraies. Ce n'est pas bon. Mais ce qui est là, c'est que c'est le travail qui paye. Oui. On ne peut pas dire que vous voyez quelque chose avec les yeux, mais vous allez dire quoi? Vous avez déjà tout raconté, insulté, dire oh, comme elle est partie, comme elle a fait le featuring et que on a déjà pris et la personne qui a fait le featuring après. Donc, parce qu'il a fait le featuring, ou bien c'est parce que. Mais il y a d'abord l'habitude, la musique. La musique. Si tu veux, pourquoi on veut toujours accuser qu'on a fait ceci? Est-ce qu'on arrête les gens même? Moi-même comme ça, est-ce que
Quand les gens voient, les gens pensent que je fume. Hein. Les gens pensent que je prends la drogue. Les gens pensent que je... Et pourtant, moi, je ne fume même pas. Je ne fume pas la cigarette. Même la cigarette, je ne fume pas. La simple cigarette, là, je ne fume pas. Combien de fois la drogue? Donc, il y a les gens que... Ils n'ont pas le courage de monter, de tenir le public. Ou bien là. Parce que parler que. On peut bien chanter, mais il faut avoir le courage de voir la foule. Et accepter et maîtriser cette foule. Donc, il y a les gens que quand ils vont monter sur scène, ils fument. Ceux qui ils boivent jusqu'à pour avoir le courage. Moi, je ne bois pas. Je ne fume pas rien. Je monte. Je chante. Ça, c'est vraiment, c'est naturel. Mais quand toi, tu pardonnes, tu chantes. Tu as la frousse pour tenir. Donne d'abord. Le public te t'avale. Tu ne parviens pas à maîtriser un public. Combien de fois le succès? Quand tu pars donc, personne n'arrête. On peut même te dire, viens fumer. Est-ce qu'on l'a attaché? Le jour que Happy va dire que non, j'arrête de fumer et il va arrêter. Si son corps ne supporte pas, tant qu'il va toujours fumer, il va toujours être comme ça. Parce que quand moi j'ai vu la vidéo, il est bien conscient. Il dit que sa mère a dit qu'elle ne venait plus ici parce que vous êtes toujours là. Je ne veux plus que les gens viennent ici pour venir me filmer et pour mettre dans les réseaux. Ça veut dire qu'il ne perd pas la route, il ne perd pas sa tête, mais c'est seulement que l'effet de la drogue qui n'est pas bien, qui lui rend comme ça. Donc, le jour lui-même, il va prendre la décision que non, je ne fume plus. Vous allez voir. On va encore vous dire que c'est Happy qu'on disait qu'oh, il a fait ceci, il a fait cela. Le voici. Les gens ne vont pas croire. L'homme, c'est la décision, mon fils. Tu as l'âge de mon fils. Je crois. Tu as été le camarade de mon fils à Marie-Albert. Donc, mon fils, le message seulement, ce que je peux te dire, donner comme conseil, que l'être humain est le maître de lui-même. Il n'y a rien qui commande quelqu'un ici. Quand tu fais quelque chose, que tu fais, c'est que c'est parce que toi-même tu le veux. Le jour où tu prends la décision que je ne fais plus ceci, même si c'est comment, parce qu'il y a toujours un cœur là qui est le petit, qu'on disait souvent quand on était enfant, que il y a deux cœurs, il y a le cœur de Dieu et le cœur du Satan. Le cœur de Dieu te dit ne fais pas. Le cœur de Satan dit fais, 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 fais. Dieu t'a donné la chance, malgré que tu étais dans un groupe avec tes frères et que tu as pris la chanson et tu as chanté et ça a pris. Mais
Ça n'a pas été bien. C'est seulement qu'on dit souvent que quand vous êtes en groupe, quand vous formez une famille, quand tu as déjà le succès, n'oublie pas les autres. N'oublie pas. Il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier. Parce que la conscience est quelque chose qui tue. Après, on va commencer à raconter. Parce que quand ta conscience te juge, quand tu vois tes frères, ça peut aussi te mettre dans des états. Après, tu commences à fumer pour avoir le courage pour faire ceci. Parce que quand tu es un enfant, il y a les paroles que les gens disent, peut-être les intrigues des jeunes artistes et tout et tout. Tu ne peux pas supporter. Tu vas aller parler à quelqu'un là-bas, quelqu'un te lance, oh, tu as volé, oh, tu as fait ceci, machin, ce n'est même pas ta chanson. Tu te mets dans tous les états. Mais quand vous êtes en famille, que vous avez fait la chanson et que ta chanson a pris, tu fais retour à tes frères. Vous vous asseyez, vous essayez de discuter. Même si toi aussi, tu les donnes un peu quand tu gagnes. Même si vous ne partez plus ensemble, mais tu les donnes un peu. Tu es avec eux. Eux-mêmes aussi, leur chanson aussi a pris. Ça a pris. La chanson qu'ils ont aussi sortie. Ils ont des Cancan Boys, ils ont déjà aussi un nom. Donc, je ne vois pas pourquoi la guerre va toujours rester. On sait que oui, mais les Cancan Boys aussi, ils ont déjà eu le nom. Ils ont chanté une chanson que les gens ont appréciée. Oui. Parfois, quand on fait quelque chose, peut-être si tu voulais être star, tu voulais avoir le nom, la chanson là t'a donné le nom, ça t'a donné la popularité. Maintenant, ça ne t'empêche de t'asseoir, de revoir avec tes frères. Et vous faites même encore une autre chanson ensemble. Ce n'est pas que parce que c'est la conscience. C'est la conscience. La conscience, c'est quelque chose qui tue à petit feu. Quand tu vas accepter ça, qu'aujourd'hui, je reprends ma vie en main et que Dieu accompagne que les bonnes personnes soient à tes côtés. Tu vas voir, tout va aller très bien. Mais l'excès, toute chose, quand c'est déjà l'excès, quand c'est trop, ce n'est plus bon, ça devient mauvais. Et ce que les enfants ne comprennent pas, c'est que quand ils font leur folie, là, ils font leur désordre, ils font leurs choses, ils ne se rendent pas compte que c'est le parent qui souffre. C'est le parent qui souffre parce que une mère ne peut jamais accepter voir son enfant à cet état. Même si elle est comment, même si elle est comment. Une mère reste toujours une mère. Personne ne peut jamais accepter que son enfant arrive à cet état et qu'on mette sur les réseaux et tout et tout et que tout le monde raconte comme il veut, qu'il pense. Ce n'est pas bon. C'est pas bon. On ne peut pas venir raconter tout ici.
Mais il faut savoir gérer les choses. Peut-être nous n'aimons pas avoir plus que ça. Mais ça, il faut savoir gérer les choses. Donc, Api, si tu sais vraiment que tu aimes ta mère et qu'un jour ta mère a été là pour toi, parce que si tu n'es plus là, c'est elle qui va souffrir. Ce n'est pas que elle aussi, non, c'est elle qui va souffrir. Donc, quand même, pense à ta mère. La drogue ne va rien t'apporter. Au contraire, ça va te détruire. Comme ça t'a déjà humilié. Ça t'a déjà humilié. Ça t'a déjà humilié et c'est pas bon. Tu vois encore qu'en plus, les choses qui sont sur Facebook, les choses là ne finissent jamais. Les choses là ne finissent jamais. On va toujours faire les rappels, les rappels, les anniversaires, les rappels, les rappels, les... Tu revois encore les choses là. Toi-même, tu restes comme ça. Tu te demandes que est-ce que c'est moi? Donc, mon fils. La musique, c'est l'école de la patience. Comme je veux faire un big up à Gaël Ondoua, mon fils, qui est l'école de la patience. La vie, c'est l'école de la patience. Dans la musique, il faut avoir la patience. Tout le monde a son jour. N'enviez pas, ne courez pas. Et tout le monde a son niveau de chanter, de profiter, de faire les spectacles, de jouir. Tout le monde a son... Les gens qui connaissent, il y a les gens qui tournent, qu'on ne connaît pas, mais on les appelle dans tous les spectacles. Ils ne sont pas les grands stars, mais ils peuvent... Ils sont dans tous les cérémonies, toutes les cérémonies. On les invite. L'essentiel seulement que tu gagnes, tu manges le pain, la sueur de ton front à la musique. Ce n'est pas seulement d'avoir les noms, parce que quand tu vas avoir les longs yeux, tu seras obligé d'aller là où ce n'est pas bon. On te propose ceci, tu vas accepter parce que tu as envie que tel est comme ça. Non, tu ne sais pas comment elle a fait. Reste, va doucement, kiffe pas, va doucement, va sûrement. C'est comme ça. Tu vois donc, la personne te tient là, tend la main que non. Mon petit frère a un talent. Il faut que qu'on fasse quelque chose. Il faut voir tout ce qu'on raconte déjà sur la personne. Ça fait peur. On va donc soutenir comment? Moi, je demande souvent comme ça parce que quand les gens parlent ici, ils ne savent pas que ils sont en train de fermer les portes des autres. Parce que quand un autre enfant va venir, qu'il a le talent, tout le monde va lever les mains. Kéké. Moi, pardon. Parce que quand demain, toi-même, tu pars, comme quand tu pars fumer, est-ce que tu amènes ta soeur à qui vous avez fait le futuring? Quand tu fais tes choses, est-ce qu'elle est avec toi? Mais maintenant, quand il y a déjà comme ça a déjà amené beaucoup de gens. Hein? Tous les mondes qui sont venus te rendre visite, s'il y a quand même un petit signe, on a déjà dénoncé. S'il y a quand même eu, peut-être, tu as donné un peu, quelqu'un a donné un petit conseil que il y a quand même un prêtre là-bas, on t'a déjà affiché sur Facebook. C'est quelle histoire ça? Hein? Ce n'est pas bon. Vous, les gens de Facebook, quand vous faites là, vous avez les vues, vous gagnez de l'argent là, mais vous détruisez les images et les noms des gens. Ce n'est pas bon. Et les gens qui sont toujours là, que, ils sont là seulement à la quête parce qu'ils sont là pour chercher, fouiller dans les vies des gens, à inbox, aller
allez donner. Vous-même, vous êtes incapable de venir vous asseoir sur Facebook pour venir parler. Parce que si moi j'étais dans ce genre, que je prends, j'écoute parce que quelqu'un vient me dire que j'ai tel problème avec tel, oh, tel m'a bouffé ceci, tel m'a fait ceci, je viens m'asseoir ici, c'est que c'est grave. C'est que je parle les problèmes ici tous les jours. Mais eux-mêmes, ils ne peuvent, je dis souvent aux gens que quand tu as un problème, va parler toi-même. Quand tu parles toi-même, là, je vais venir, quand je vois, j'examine, je regarde. C'est quand je peux intervenir, j'interviens de ma manière. De ma manière. Qu'est-ce que je peux accepter quand quelqu'un vient me voir? Comme pour ma soeur, elle est venue me voir. Elle voulait se marier. J'ai vu ça. Quand j'ai vu vraiment que non, avec ça, ça peut impacter son mariage, j'étais obligée de m'asseoir pour clasher ma tante. Il y a des choses que je sais, oui, ça c'est la solidarité artistique parce que c'est l'image. Mais ce n'est pas que tu viens là. Il y a les problèmes que je regarde, je vois comme ça, je ne parle pas. Parle pas. Je ne parle pas. Je parle ce que je maîtrise. Mais ici même, je parle parce que j'ai vu tout ce qui se passe là. On voit, je donne aussi mon point de vue. Je ne connais pas la famille d'Api, je ne connais pas sa mère. Il a été le camarade de mon fils, donc on n'avait pas d'affinité. On n'avait pas trop de relations. Donc je ne veux pas venir inventer les choses que je ne connais pas. Mais moi aussi, je vois l'état, je vois comment ça se passe et tout. Je donne mon point de vue. Si j'ai un mot à dire comme conseil, c'est ce que je suis en train de faire. Mais je dis. Les gens qui activent le feu sur Facebook là, que parce que vous voulez les vues, c'est pas bon. C'est pas bon. Maintenant, vous voulez déjà détruire l'ombolé. Parce que vous mélangez déjà la jeunesse. Vous voyez comment l'ombolé en train de prendre place. Vous voulez déjà détruire. Laissez les jeunes artistes s'exprimer. Ils ont créé leur rythme parce que nous, on était en Côte d'Ivoire. Il y a le Ndombolo, il y a le ceci, il y a cela. On n'était que là-bas. Maintenant que chez nous aussi, il y a déjà le Bikuti, il y a déjà le Mbolé, il y a déjà le Makossa. Il y a le Mangambe, il y a ceci, il y a les Pygmées aussi qui ont leurs chansons, il y a aussi les anglophones qui chantent. Donc on a aussi beaucoup de trucs qu'on peut présenter. Mais l'ombolé là, en faisant tout, ces enfants sont en train de passer aussi le message. Ils sont en train de passer le message. Regardez Elan City. Il dit que toi, Niap Milan, sinon je veux te faire ceci. C'est un message. Parce que il y a un message, ce qui se passe. Écoutez les chansons, écoutez comment ces enfants chantent. Ils sont en train de passer le message. Maintenant, ils ont chanté le Moya Yizeo Banga, Moya Yizeo Banga. Voilà ça. Ils sont en train de chanter et ils donnent les conseils. Écoutez un peu ces enfants. Écoutez-les attentivement. Maintenant, ils se réveillent quand maintenant c'est déjà maintenant que les enfants sont déjà en train de parler, parler, parler. Ils sont en train de parler.
En parlant, il passe le message. Il y a beaucoup de... L'imbolier, là, il passe le message. Et ils sont en train de pleurer. La jeunesse pleure. La jeunesse est en train de pleurer dans les chansons de Mbolé. Écoutez bien. Ce sont les pleurs parce qu'ils n'ont pas là où s'exprimer. C'est là-bas qu'ils s'expriment. Maintenant, pas des chansons. Mais pourquoi vous voulez venir détruire, prendre ça mal, machin, machin, machin. Maintenant, vous voulez dire de tout et de rien, qu'ils ne chantent rien. Ils sont... Laissez les mollières tranquilles. Ils nous ont réveillés. Ils ont réveillé. Ils ont changé la musique. Ils ont amené de l'ambiance. Ils ont encore amené le message. Il y a les messages qui passent. Si tu ne connais pas, si tu n'as pas de message, ça veut dire, c'est comme une prière. Au nom du Père et du Fils et du notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne. C'est comme ça. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ils sont en train de donner la doctrine. Ils sont en train de prier 1000 fois. Écoutez bien les chansons là. Parce que le message, les mbolia sont en train de passer le message. Ils passent le message à la jeunesse. Ça fait que la nouvelle génération qui arrive, ils vont comprendre, ils ne vont plus tomber dans ça. Parce que quand tu écoutes, en faisant le mollet là, ça les a amenés à la drogue. Maintenant, ils ont vu que la drogue et tout et tout et tout, le nangaboko, le quoi, la tétutesse, ça ne sert à rien. Tout ça, tu peux beau faire, mais après, il n'y a plus le résultat. Ils ont vu comment les gens les ont proposé des choses horribles. Maintenant, ils sont en train de chanter, de revoir la vie de la jeunesse. Que donc c'est comme ça que nous on va finir. Donc c'est comme ça que nos vies seront. C'est comme ça que voilà les autres qui sont partis. Voilà les gens qui ont été détruits. Maintenant, ils sont obligés de dénoncer. Tout le monde va prendre le recul maintenant que non. Si la musique, c'est que parce qu'on va te donner des. On va aller. Tu sais le chemin que tu prends. Quand tu prends le chemin de je m'en fous, tu vas te retrouver au village de si je savais. Toujours un Ivoirien qui a chanté ça. C'était un conseil que quand tu prends le chemin de je m'en fous, tu vas te retrouver au village de si je savais. N'écoutez pas seulement la musique, écoutez aussi le message qui passe dans la musique. Maintenant, si les jeunes, ils ont donc compris, ils passent donc le message à la nouvelle génération. Pourquoi vous voulez détruire ça? Est-ce que ils vous dérangent dans vos trucs? Non? Au contraire, vous devez être fiers, vous devez les encourager à continuer à passer le message. Quand je vois ce qui se passe en États-Unis là, parce que vous faites comme si vous ne voyez pas. Vous faites là comme si vous ne voyez pas. Voilà le gars là aussi, l'artiste là. Regarde comment on parle, où c'est le buzz, où c'est vrai. Où c'est vrai. Regardez comment
Quand tu vois ça en tant qu'artiste, ça ne te donne pas la chair de poule. Peut-être tu enviais une personne. Quand tu revois ce qui est en train de se passer en États-Unis. Et dès que ça a commencé là-bas, ça commence à se dénoncer en Afrique ici. Ici, au Cameroun, ceci, machin, machin. Voilà on va voir tout ça ici sur Facebook. Donc, tout le monde, son cœur bat que merde. Est-ce que les gens m'ont vu? Ou bien les gens que j'étais avec eux, ils vont venir parler. Et ce que j'ai fait, est-ce qu'on va venir dire? Je vous donne seulement l'exemple. Vous ne devez même pas dire Dieu merci. On voyait les grands artistes, ils ont des milliardaires, les ceci. Écoutez ce qu'ils sont en train de parler. Ça ne doit pas révéler la conscience des artistes africains ou bien les Camerounais, la jeunesse là. Que mieux tu tapes ton truc, au mieux tu fais tes petits trucs là à ton niveau, et que parce que tu vas aller plus loin, tu n'es même pas sûr que tu vas arriver. Tu es déjà détruit. Tu es déjà fini. Tu es même déjà fatigué. Tu n'es même pas sûr d'avoir l'argent. Même si c'est que c'est le buzz, même si c'est quoi, mais je ne pense pas. Ça doit donner la leçon aux artistes qui ont les longs yeux, qui veulent avoir beaucoup d'argent, qui veulent avoir la gloire plus que tout le monde. Voilà alors la leçon là, qui est là. Ça fait combien d'années qu'ils sont des artistes, qu'ils ont eu la gloire? Non, les gens les baissaient la tête, les gens criaient, les gens étaient là, les gens étaient là pour eux. Ce n'est pas ce qu'on fait là qu'on dit que. Oh. Voilà alors ça. Ça ne vous donne pas la chair de poule quand vous entendez ça. Ça ne vous dérange pas sur les réseaux là. Ça ne vous dit rien. Et maintenant, ça a déjà commencé au Cameroun. Et voir un poste où il y a un gars là qui est balata, en train de vouloir dénoncer. Quand les autres ont parlé, que voilà, la jeunesse est en train de finir. La jeunesse est, la jeunesse est, la jeunesse est, la jeunesse. Personne ne veut écouter. Ce n'est même pas. Il faut que tout le monde prenne conscience. Il faut être conscient de percer les longs yeux. Si tu as les ambitions, il faut les avoir et savoir comment gérer tes ambitions. Mais la vie facile, c'est ça qui est problème. Parce que tu ne veux pas d'abord suivre. La ligne qui te suit. Tu veux être pressé, être star. Ma chanson que Dieu m'a donnée. Je dis que je n'ai jamais été à l'école des artistes. Je n'ai pas été ou à la formation pour la musique. Dieu a dit que voilà ce que je veux te donner, que tu pourras vivre. Tu vas aider les autres. Ce n'est pas que tu vas aider tout le monde entier. Parce que, et c'est les gens que tu pourras aider. Il met aussi l'autre, il met aussi. C'est pour cela qu'il m'a donné. Abam le papa, abam le maman. Et c'est ça qui a ouvert mes portes que jusqu'à aujourd'hui, la chanson là. C'est ça
quand je, tu sens que l'Esprit Saint était dans ça. Tu sens que voilà ce que Dieu t'a donné. Quand je chante, je ne suis pas allé chercher ou bien aller faire ceci. C'est ce que Dieu a donné. J'ai d'abord chanté à Yombinga, ça n'a pas décollé. J'ai chanté à Yombinga, mais seulement la Talakusi, que je ne suis même pas allé. Je ne suis pas allé au studio. Voilà seulement la Talakou. Que j'ai fait mon atalakou sans m'en rendre compte. C'est ça qui m'a donné tout ça. Parce que quoi? J'ai demandé à Dieu. J'ai dit à Dieu que Dieu, aide-moi. Mon père était ce qu'il était. Moi-même, j'aimerais avoir pour moi le pain de ce jour. Donne-moi mon pain de ce jour. Je priais. Je me suis rabaissée. Je ramassais les bouteilles dans les bars. Mais le jour que Dieu a dit que mon air a sonné, ça a sonné. On a tout dit de moi. Je m'en fous. On a tout raconté. Qu'est-ce qu'on n'a jamais dit? Des gens là-haut, machin. Comme je pouvais pratiquer, je suis ceci. C'est que je réponds seulement que je n'ai pas fermé les portes des marabouts. Est-ce que j'ai fermé? Allez aussi. Allez. Parce que c'est facile de parler. Wow, 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 wow. Allez aussi. Les gens disent, oh, comme tu es déjà en Europe, j'ai fermé les portes des ambassades. Allez demander le visa. Mais c'est quelle histoire? Donc, laissez le Mbolé. C'est le Mbolé maintenant qui nous fait maintenant vibrer. Le Mbolé nous fait vibrer. Le Mbolé nous rappelle beaucoup de choses. Mais ce que je dis à la jeunesse seulement que vous-même vous chantez ce que vous avez déjà subi. J'espère que quand tu viens dans la musique, il faut être sage, savoir ce que tu veux. Entre dans la musique simplement, tu chantes. Ne regarde, ne sors plus le long jeu que parce que ça ne va pas donner. Chante seulement. Dieu donne à tout le monde. Tu chantes une chanson qui est bien, ça va. Les gens vont capter. C'est l'œuvre de l'esprit. Ça capte les esprits. C'est tout. Quand la chanson est bien, allez, tout le monde est content. La seule chose, c'est le travail. Il faut travailler. Il faut savoir faire quelque chose qui peut toucher les gens. Il faut savoir, il faut réfléchir. Il faut travailler. Il faut savoir qu'est-ce que je peux faire. Voilà comme ils m'ont mis manip et Boboala. Il a eu son inspiration. Voilà ça que les gens aiment. Et Boboala, c'est 12 mangak. Gai Boboala, il veut le mangak. Tu es ce que faut 12. Gabi Akadi, Mbouan Mjie et Boboala. Et on va dire, ben, Namunga Nguroua, parce que Mbouan ne. Mais après, parce que sa chanson tombe, on va dire qu'il oh, part déjà chez les marabouts. Ndantou est pédé, Ndantou est nain, Ndantou est nain. Et pourtant, le gars réfléchit pour travailler. Bonsoir, oh, Michou. Et pourtant, le gars réfléchit pour travailler. Mais il y a les autres qui ne veulent pas travailler pour seulement saboter les gens. Voilà le petit Gaspard qui aide beaucoup les artistes, qui est manager. Mais lui-même, il chante. Est-ce que lui, il décolle là? Il chante, mais ce qu'il fait au milieu artistique, les grands, il accompagne les artistes.
et il trouve son compte. Et il ne se plaint pas. Est-ce qu'il va dire là que, il va dire là que, oh, parce que je travaille avec le Doux Marcelin, il est connu, je suis avec tonton Sam Bende, oh, il est comme ça, sans fantôme, oh, Amazon, hôtel, parce que, non. Il a sa place, il fait sa musique à son niveau, il fait sa publicité, la personne qui peut l'aider l'aide, la personne qui ne peut pas l'aider, et il n'est pas mendiant. Il est dans sa logique. C'est comme ça. Il sait qui toucher, il sait ce qui parler, que peut-être, et les gens qui travaillent avec lui, par son honnêteté, les gens l'aident. Les gens l'aident et les gens l'aiment. Parce que quoi? Gaspard est humble, respectueux. C'est d'abord la clé. C'est pas l'orgueil dans la musique. Tu es encore en train de te chercher, tu commences à faire l'orgueil parce que tu arrives en Bombay, on tape ta musique, tu crois que tu es des artistes? Non? Parce que c'est ça. Il y a d'autres artistes, donc elle arrive, elle tourne à Ouest-Calier, elle entend sa chanson, elle tourne à tel, elle entend la chanson, elle se pense déjà qu'elle est déjà star. Tu peux être artiste, chanteuse ou chanteur, mais tu n'es pas star. Il y a les autres qui sont artistes et en plus ils sont stars. Il ne faut pas qu'on mélange les choses. Donc, pour arriver à la starmania, il faut beaucoup travailler. Et que de laisser la jalousie. Suis le travail parce que les gens, ils sont là, ils sont en train de travailler. C'est pour cela que moi, j'apprécie souvent. Moi, je ne peux pas venir dire que tel machin. Parce qu'ils sont en train de travailler. Si moi, je ne travaille pas, donc ils vont venir travailler à ma place. Non. Tout le monde doit travailler, il faut travailler. Quand on veut être star, ou bien on veut être artiste, il faut travailler. C'est la moindre des choses. Il faut travailler. C'est le travail qui paye. Tu mangeras toujours à la sueur de ton front. Et vous êtes toujours là en train de demander, aidez-moi, oh, grande sœur, aide-moi. Moi, je fais comment? Je souffre comme ça. Hein? Quand moi, je n'ai pas les spectacles, je pars, je fais mes ménages. Si je ne fais pas les ménages, je suis en formation. Hein? Moi, je ramasse ça. Ou bien mon chéri sait qu'il doit me donner mon argent de poche. Donc, moi, je dois alors venir. Toi, tu as les mains, les pieds, tout, tout, tout. Tu es assis là. Aide-moi, aide-moi. C'est le seul qui aide et qui t'aidera. On aide les gens quand tu vois que oui, cette personne est en difficulté, handicapée. Comme il y a les gens qui sont malades, qui ne peuvent pas se lever. On doit les aider. Mais pas que tu as deux pieds, deux mains, tu peux travailler. Tu viens toujours crier sur les oreilles des gens. Arrêtez de mendier. Ah oui. Donc, voilà ce que je voulais parler. La jeunesse, vous qui êtes dans la musique. Ce n'est pas parce que les jeunes artistes, dès que vous arrivez, vous croyez que parce que vous êtes belle, Vous tournez là avec les fesses et tout, on vous binda partout, partout, partout. C'est là où ça va rester. Ça va rester que là. Parce que quelqu'un va seulement te contenir, qui t'amène là-bas parce qu'il sait que non. Il faut envisager loin. Donc, il va seulement te binda et il va t'amener, il va t'épouser, il va te faire quoi. Il faut envisager loin ta carrière. Moi, je me dis que seulement Dieu a voulu que
Moi, je viens comme ça, que c'est ça qui va me soulever. Parce que ce n'est pas... Je chante quand je veux. Là, je chante. Il y a beaucoup de trucs ici. Je parle, j'inspire, j'enregistre, mais c'est pas... Moi, c'est tout ce que je voulais vous parler aujourd'hui. Voilà les deux sujets que je voulais dire. Laisser les jeunes s'exprimer. Et laisser d'harceler les jeunes. Laissez de les harceler. Sinon, quand ils vont se révolter, ça sera grave. Si vous pouvez les accompagner, accompagnez-les. Si vous pouvez les aider, aidez-les. Et accompagnez-les comment tu montres quelqu'un, comment quelqu'un peut pécher. Partagez la vidéo. Parce que quand c'est bon comme ça, tu ne vois pas les gens. Mais si j'étais là en train d'insulter là, si j'étais en train d'insulter ou bien de laver quelqu'un, tu allais voir comment tout le monde est bien. Mais vous voyez comment. Vous ne m'aimez pas. Parce que vous aimez seulement quand je clash. Mais quand je fais des choses qui sont bien comme ça, des messages comme ça, je parle ce qui est bien. Qui est bien pour la jeunesse et pour nous-mêmes. Vous faites là comme si vous ne voyez pas. Ok, il n'y a pas de problème. Vous savez que mes loulous, je vous adore. Malgré tout, sans vous, je ne suis rien. Donc, je vous adore. Vous m'aimez comme ça, avec mon comme ça. Bonne nuit à vous. Bisous.